Salutations! Histoire de faire un complément sur ma vidéo sur la scène du film du Retour du Roi où Gandalf et le roi sorcier s'affrontent, je vais vous faire un petit commentaire de la scène du film que j'ai extraite et que je vais donc diffuser et commenter en même temps pour que vous puissiez voir la scène pour ceux qui ne l'avaient pas vue ou pour ceux qui l'ont vue il y a vachement longtemps et qui ne se souviennent plus de la scène ou qui ne l'ont vue qu'en version courte puisque cette scène, je le rappelle, n'est que dans la version longue. Bref, on y va! C'est parti! Donc là, la porte vient de céder, les soldats se replient. Denethor est complètement cinglé. Donc l'affrontement va avoir lieu ici. Bon là, pour les dialogues, j'ai pas grand-chose à dire. Ils reprennent des... Normalement, les dialogues du livre. Enfin, pas tout, mais une bonne partie. Gandalf voit son bâton brisé, jeté au sol sans défense, et il est renvoyé au sol par le cri de la féroce ailée. Alors c'est un dieu, c'est un dieu mineur certes, mais c'est un dieu normalement. Il a l'air complètement paniqué et sans défense. Et là, complètement con, le roi sorcier a face à lui leur plus terrible adversaire. À ses pieds, sans défense, impuissant. Il a juste à abattre sa lame pour le tuer. Ça va lui prendre quoi? 10 secondes. Pourquoi il ne prend pas 10 secondes pour tuer leur plus dangereux adversaire? Alors que ça pas. L'héroïrime, ils viennent d'arriver. Hein, le temps qui se place, le temps que Théoden fasse son discours, le temps qui charge, il a largement le temps d'achever Gandalf, qui est dans la scène du film complètement impuissant. C'est leur plus dangereux adversaire, ça va être complètement con de ne pas le tuer. Alors si le film était cohérent, avec cette scène, Gandalf devrait être mort. Ce qui montre que cette scène est stupide. Le film est cool, j'adore ce film. Mais cette scène est conne. Je suis désolé, incohérente avec l'univers du livre, à l'origine, et qui crée des incohérences dans le film. Voilà. Donc moi, je suis désolé, c'est con. Bref, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Vous pouvez commenter pour dire ce que vous en pensez, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est tout à fait normal et on peut débattre. Et je vous invite également à partager la vidéo. Ça peut aider. Et à vous abonner si vous voulez ne rater aucune de mes vidéos. Bref, c'est terminé. Au revoir tout le monde.